justice pour avoir menti de cette façon et abusé de la situation comme il l'a fait. Arrête de me photographier sous tous les angles. Oh, je parle. Je voudrais vous dire que en choisissant mon équipe, vous avez choisi une équipe de personnes qui travaillent. Nous travaillons énormément. Nous avons fait d'Aix une ville qui, par sa gestion, que l'on doit beaucoup à ceux qui sont sur cette estrade, mais que Gérard Bramelet a accompagné au premier chef, et je vous demande de l'applaudir, parce que si nous travaillons dans la rigueur, comme nous le faisons, dans l'élimination des gaspillages, en ne pas augmentant les impôts, comme nous l'avons fait, c'est bien parce que Gérard a toujours veillé à ce que la ville ne s'endette pas trop, à ce que les impôts n'augmentent pas, et il a été un élément très actif dans la politique que nous avons menée. Alors après, il y a tous les autres, je ne vais pas tous les énumérer, mais nous formons une équipe solide. Sont partis de cette équipe ceux dont je n'ai pas clairement vu, puis deux ou trois personnes pour des questions de santé ou pour d'autres problèmes, et qui sont aujourd'hui ici. J'ai l'occasion de saluer Christian, que j'ai vu quelque part, Christian Pérez, et puis d'autres, Henri Matas, et puis d'autres que j'aurai l'occasion de saluer dans la journée, mais que